Qui est donc là, attention, sous les ordres. Il volte. Allez, parti. Avec Bingo Speed, eh bien, qui a pris un excellent départ, mais pas pour longtemps puisqu'il est au galop. Avec également eh bien, le 6 dans son dos qui est au galop. Alors, maintenant, on a le 7. Le 7, c'est-à-dire Drakkar du Rolling, eh bien, qui a pris l'avantage. Le 6 a été remis. Et donc, Bolide de Joss, il se retrouve en 2-3e position avec l'As Dancing Stars. Dancing Stars qui est là donc en 2e position. On est là avec le 14 Believe Me et Noémie Hardy qui sont très bien partis au second échelon. Ils sont déjà parmi le groupe de tête. Et on a disqualifié le 8, le 10 et le 9. 8, 9, 10 disqualifiés. Le 4 également disqualifié. Allez, il va rester deux tours avec l'As Dancing Stars qui est donc là. Le 7, c'est Drakkar du relais. Donc le 14 Believe Me est la 4e. Juste devant lui, on a le 6 Bolide de Joss. Également bien placé le 5 Banderiero Pia qui est là. Donc 5-6e. Avec encore en 7-8e position, et bien le 13 Boss des Cités qui se rapproche. Boss des Cités qui a fait. Eh bien, des facéties au départ, mais il se rapproche et il continue son effort. Il vient maintenant en 3-4e position à l'arrière-garde. Eh bien, on remarque par exemple le numéro 12, Brice de Mémartin, avec le 11, Charlotte Twin. Le 11 vient d'être disqualifié. Le 11 disqualifié. Voilà, beaucoup de disqualifications dans cette épreuve. Avec, eh bien, Boss des Cités qui a continué à se rapprocher. Il est maintenant deuxième, hein, juste dans le dos de Dancing Stars. Dancing Stars et Boss des Cités, donc. Qui est là tout près deuxième. Le 7, eh bien, c'est Drakkar du Rolais qui est là troisième avec 14 Believe Me. Allez, il va rester un tour avec donc Boss des Cités qui a pris l'avantage. Et l'As Dancing Stars vient d'être disqualifié. L'As. Allez, il reste un tour. Avec Boss des Cités devant Believe Me, le 5 Banderiero Pia qui est là tout près, le 7 Drakkar du Rolais et donc 4-5e côté corde avec le 6 Bolide de Joss qui est là également 5e. Et puis à 2-3 longueurs, on voit le 12 Brise de Maimartin hein, qui tente de revenir sur le groupe de tête imité en cela avec par le 2 Denver de Litton. Allez, une dernière fois une en face avec le 13 Boss des Cités qui place une vive accélération à 4-500 mètres de l'arrivée. Eh bien, Boss des Cités s'est détaché. Il a pris 5-6 longueurs d'avance sur Believe Me. Le 6 Bolide de Joss est donc 3e, lui-même détaché eh bien, de 3-4 longueurs du numéro 5 et surtout du 12, c'est-à-dire Brice de Maimartin qui se rapproche et qui va tenter de venir prendre la 3e place. Allez, nous sommes dans le dernier tournant avec le 13 Boss des Cités, eh bien, qui a toujours un net avantage. Boss des Cités qui a toujours 4-5 longueurs d'avance sur le 14 Believe Me. Allez, la ligne droite avec Boss des Cités qui est maintenant sollicité. Il reste 100 mètres à parcourir. Boss des Cités, Believe Me, et Believe Me prend l'avantage. Believe Me, le numéro 14, sans coup férir. Le 14, Believe Me l'emporte. Boss des Cités sera 2e. 14-13, la 3e place pour le 6, Bolide de Joss, et la 4e pour le 2, Denver de Litton.